Par rapport à son lieu de détention, je pense que cela ne fait l'ombre d'aucun doute maintenant, parce que Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre des Droits de l'Homme, a déjà communiqué là-dessus. Hier, si vous vous rappelez beaucoup parmi vous m'ont appelé hier dans l'après-midi, je n'ai pas pu donner tout de suite le lieu de détention parce que pour moi, on avait scellé un pacte entre nous pour des raisons de sécurité de ne pas indiquer le lieu de détention. Mais c'est lui qui est en charge de l'application ou la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement. Si lui, il a été le premier déjà à dire où se trouve notre client, je pense que ça ne fait plus, ce n'est plus un secret de polichinelle. Il faut se prononcer là-dessus. Et aujourd'hui, il est placé en détention à la maison d'arrêt de Koya. Par rapport à son fils, je suis aujourd'hui en mesure de vous dire, avant le 4 novembre, notre client n'était pas en contact avec son fils. Le 4 novembre est arrivé et tout le temps qu'il a fait en dehors de Conakry et de son lieu de détention, il n'a pas eu de contact avec son fils. Ce qu'il veut dire par là, il n'a été ni de près ni de loin associé à ce qui s'est passé le 4 novembre 2023 à la maison centrale de Conakry.